Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va vous? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une deck tech en standard 2022. Ça y est, on va rentrer dans l'ère du standard 2022. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, Wizard of the Coast a décidé d'implémenter une nouvelle queue, un nouveau ladder sur Magic Arena. Major. C'est un ladder qui est seulement en BO1 pour l'instant, mais on milite fort pour avoir du BO3, on croise les doigts, ça devrait arriver j'imagine. Qui est classé et non classé d'ailleurs. Mais tu peux jouer en classé ou en non classé, ça te permet quand même de grimper le ladder. Et qu'est-ce que c'est le standard 2022? C'est un format où seuls sont légales les extensions qui vont passer la rotation en septembre. Donc c'est très sympa, ça veut dire que tout ce qui est Eldraine, Ikoria, Teros, qu'on l'a extrêmement vu en standard, et ben là, elles ne sont pas légales. Ça permet de redynamiser le tout, de voir les nouvelles cartes de Strixhaven et de Donjons et Dragons qui n'étaient pas assez puissantes pour impacter le format. Et Là, on peut builder avec ces cartes-là. de ne crafter que des cartes jouables dans le standard qui arrive à C'est partir de ça. Pour septembre ceux avec qui la rotation. commenceraient à jouer actuellement, c'est très bien aussi de jouer en standard 2022. Vous ne perdrez du coup rien à la rotation. Sur le premier des decks, parce qu'il y a plein de decks qui sont viables en standard 2022, Et plein on de va decks vous en super montrer plein. sympas, on On va va vous en vous en montrer montrer plein. plein. Les decks budget arrivent, on les présentera aussi en standard 2022. Le premier deck qu'on tient à vous présenter, c'est Mono Blanc. La liste, elle est extrêmement solide. C'est vraiment très très bien. Il y a un triptyque un peu qui se dégage avec trois decks qui dominent. On a vraiment Mono Vert base neigeuse, qui a un petit peu mis en avant Croquise. On a Izzet Dragon, j'ai plus le nom de la personne qui a deckbuildé en premier cette liste-là, mais ça ressemble un peu à ce qu'on fait en standard avec la base neigeuse aussi, qui est un peu le deck contrôle du format. Et il y a ce Mono Blanc-là, que j'ai pas mal joué et mis en avant aussi sur les réseaux sociaux. L'avantage, c'est que ce triptyque, il est un peu solide, c'est que Mono Green, ça bat bien Izzet Dragon parce que tu fais pas des boards larges, donc du coup tu peux ne pas rentrer dans les Vras et aller mettre vite des points. Izzet Dragon, lui, par contre, il va bien battre ce deck-là parce que nous, on est obligé de prendre le board de manière assez large et de rentrer dans les anti-bêtes de masse. Et par contre, nous, on bat très très bien Mono Vert bah parce qu'on a les apparitions du Force Céleste qui sont des réponses clean assez pâtées et parce que les boards larges avec des volantes, ça bat très très bien les boards qui sont clos au sol. Donc il y Exact. a un petit peu ce qui se passe actuellement en standard BO1 2022. Par contre, il y a un deck qui vient un peu foutre le bordel là-dedans, c'est l'espèce de deck Combo Book qu'on vous Ouais, présentera peut-être j'allais aussi. dire, il y a pas mal de decks tier 1.5, C'est type ça. Naya Swarm, le Combo Book, Plein qui d'autres sont de decks qui très bons viennent decks graviter aussi, autour. et qui vont avoir des match-ups positifs, négatifs en fonction, mais jamais, jamais de deck dominant. Et Non. c'est du coup un format assez intéressant Je déjà, alors qu'il manque une extension. trouve qu'il n'y a aucun deck qui surplombe toute la mêlée. Pour l'instant, tu peux un peu gagner avec tout, même avec des brous. J'ai vu des gens qui jouaient Simic, Ramp, Coma, notamment au Turn Burchett. Voilà, tu fais un petit peu ce que tu veux, t'as tambouille, c'est du B1, donc c'est un peu variancé, donc tu peux aussi gagner parce que tu fais une bonne sortie. Si t'as beaucoup de fois le toss aussi, ou C'est si tu ça. commences Si tu commences la souvent. partie, mais voilà, donc du coup, nous on veut vous présenter ça, c'est vraiment fort, ça monte bien le ladder, c'est semi-budget, ça va jouer quand même. En fait, à partir du drop 3 et 4, c'est full rare, mais tout le reste là, c'est beaucoup de communes et d'unco qui passent toute la rotation évidemment, parce qu'on est en standard Yep. 2022, Et les rares pour le c'est coup, plutôt pas mal. entrave sort et apparition, c'est des excellentes rares que vous jouerez très certainement ailleurs. C'est du top craft. Redan, pour le coup, vous n'avez pas forcément joué ailleurs que dans Mono Blanc, et Ange de Légion non plus, mais ça va. Ouais. Genre vraiment. Et ceux qui n'ont pas Ange de la Légion. Ça, c'est très bien pour avoir un drop 4 qui va chercher ses copains dans le side parce qu'on est en BO1. Vous pouvez ne pas jouer cette carte, il n'y a aucun problème. Vous rajoutez un troisième pluie, une troisième classe paladin, aucun souci. Yep. D'ailleurs, petit tips, Havre sans visage, si jamais vous jouez un peu en no budget, c'est la carte qu'il faut crafter parce que quand vous jouez budget et que vous commencez, c'est mieux de commencer par des decks monocolores qui en plus sont très performants en ce moment. Ça vous permet de ne pas crafter beaucoup de landes rares. Donc là, vous craftez vos 4 Havres sans visage qui sont jouables dans plein de decks monocolores différents. C'est une excellente carte, c'est la raison pour laquelle on a envie de jouer monocolore en plus en sortant 2022 pour l'instant. Et le reste, si vous n'avez pas envie de le crafter ou quoi, vous pouvez vous démerder, trouver des alternatives, avoir des cartes par-ci par-là que vous rajoutez petit à petit. C'est pas grave si vous n'avez pas tout le reste, mais genre Havre, c'est vraiment un truc qui ne sera pas perdu du tout. Super important, une des meilleures cartes, effectivement. Et tu le dis, on préfère. Parce qu'on pourrait jouer Naya. Nous, on a pas mal buildé de deck Naya, qu'on a pas mal testé avec PL, qui marche très, Beaucoup très, joué très bien. Naya, ouais. Et le problème de Naya, c'est que pareil, ça veut prendre le board de manière très large, comme Winnie White. Mais ça n'a pas Havre sans visage pour se relever des anti-bêtes de masse. Et quand même, le ladder, il est un peu fourni en anti-bêtes de masse, quoi. Et l'avantage, c'est que cette synergie-là, elle aussi, elle veut prendre le board. Donc, elle est très sujette. Très faible face aux anti-bêtes de masse, mais grâce à Havre sans visage, tu vas pouvoir aller mettre les derniers points qui manquent. C'est pas le cas des decks bicolores ou tricolores qui n'arriveront pas à assumer cette mana base-là. Yep. Très important, Havre sans visage. Pour les nouveautés, parce qu'après Mono Blanc, vous connaissez tout le haut de cœur, donc le Entrave, Sort d'élite, l'apparition du Force Céleste, le Redan et l'Ange de la Légion, vous connaissez, c'est des cartes de standard. Ange de Légion qui va chercher les copies dans le side, c'est pour ça qu'il y en a trois en side. C'est ça. On a l'Aspirante Luminaire qui permet de buffer notre board, qui a un excellent tour 2. L'Esprit au Clairon qui donne un petit peu toute cette identité au deck, qui permet vraiment à elle toute seule de battre Mono Vert. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous lancez deux sorts dans la partie, vous allez créer un 1-1 vol
Très important qu'ils aient le vol. Ça permet de faire des boards larges, pardon, et des boards qui sont pas bloquables. Et c'est comme ça que vous gagnez notamment contre les jeux verts qui vont avoir des bêtes qui sont plus fortes que les vôtres globalement. Les nouveaux ajouts de D&D. Qui est parfois un tour 3 d'ailleurs, l'esprit au clairon, pour le Ouais. jouer avec un de tous nos tour 1, C'est pour faire quasiment tout le directement le temps un truc. tour 3, ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a autant de tour 1. Le puits portable, qui est une nouvelle carte de D&D, ça exile n'importe quel permanent non terrain qui coûte 2 ou moins. Ça exile la classe Rôdeur, qui est une des cartes que vous allez rencontrer le plus souvent. Et ça exile aussi bah, n'importe quelle bonne bête de votre adversaire, le chef de la meute en mono vert par exemple. Un trésor. Ça exile un trésor, ça exile les anges des decks Horse of Angel, qui sont pas trop mauvais pour le coup. Donc vraiment puits portable, très très bonne carte. La classe Paladin qu'on adore avec PL. J'ai un petit peu baissé son ratio. Au début, on en jouait x4 parce que bah, tu veux pas de doublon en fait, malheureusement. Tu veux vraiment que ça buffe ton board et tu veux profiter du niveau 3 pour aller tuer, pour aller au-tech à l'adversaire avec une volante. Mais du coup, en avoir des multiples dans la partie, bah, ça te fait perdre des games des fois. Là où tu aimerais C'est avoir clair, ouais. Si t'as un. pas d'esprit au clairon pour rentabiliser les multiples. C'est ça. Donc, du coup, 2, ça me semble être un bon chiffre. On a la nouvelle carte, Moine de la main ouverte. C'est la carte qui se fait tutoriser par le Planeswalker, mais le Planeswalker est pas très bon. Donc, on C'est va juste jouer Maître des cette Fleurs, je crois. carte-là. Ouais, Truc c'est comme ça. ça. Il a pas de nom en fait. Non, il n'y a pas de nom, c'est Voilà. un titre, on dirait. Un titre, ouais, c'est ça. Donc du coup, ça va chercher cette carte-là. Nous, on la joue directement parce que c'est un drop 1. Donc ça permet d'avoir une curve très agressive et de marcher avec l'esprit au clairon. Et lui, en plus, quand vous jouez deux sorts, et eh ben du coup, il se buff, il gagne un marqueur plus 1. Ça permet de grossir un peu vos bêtes. Et le petit ajout, bah, ça, il n'y a que nous qui jouons ça, mais je suis persuadé que c'est l'autre meilleur tour 1 à jouer. Il y a beaucoup de gens qui jouent le 1-1 qui, quand il meurt, met ses marqueurs quelque part ailleurs. Et je pense que c'est en tout point inférieur à ce clair du sort code qui est Vigilance. Et lui, si c'est le deuxième sort que tu as lancé ce tour-ci, tu mets un marqueur sur n'importe quelle cible. Ça marche très très bien avec un moine de la main ouverte parce que par exemple au tour 2, tu fais moine de la main et clair du sort code, bah t'as 2-2-2. Esprit au clairon aussi. Esprit au clairon, voilà. Quand tu fais ton esprit au clairon, ça te permet de faire esprit au clairon, clair du sort code. Ton esprit au clairon passe 3-3 et du coup ne prends plus les anti-bêtes à 2 qui sont légion aussi dans le format. Donc je pense que c'est le meilleur tour 1 à jouer. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la deck tech, on va partir en Je crois ladder. qu'on Hein. peut juste partir. Hein. Avant de partir, d'ailleurs, on le fait pas au même moment. Merci beaucoup, nos sponsors. Play My Magic Bazaar, code VALPL 2021 sur la boutique. Ça nous soutient si vous l'utilisez. Donc merci à ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires. Et ça régale parce que ça vous donne du coup des bons d'achat plus rapidement. Et genre beaucoup plus rapidement sur ce que vous commandez. Donc c'est nice. Merci à Merci à tous. eux, merci à vous. Et c'est parti pour un petit peu de gameplay en fait. Let's go. Hop. Alors là, il faut qu'on parte en standard, jeu en format standard Non, 2022, standard 2022 classement. avec classement. Je suis du père, c'est bon. Je sais, C'est on vrai nos qu'à classiques. chaque fois que genre, je remets mon compte ici, du coup, Ça reprend les anciens ça qu'on reprend avait, les quoi. anciens trucs. Donc du coup, à chaque fois, je suis du père. Parce que sinon, vous n'avez pas à changer. Hein. Vous taguez tout le temps dans le même ladder et puis il n'y a pas de souci. Oh, le radiateur. Il radiatore. Radiatore. C'est bien ça. Moi, c'est ok. J'aime toujours avoir le clarion dans la main. Parce que selon les match-ups, il est L'esprit. essentiel, quoi. Ouais. L'esprit au clairon. Ça fait des trucs. C'est dommage qu'on commence pas, mais. À noter que Oh, Redan est France très très TV. bien pour deux choses. Redan, il est. Il y a beaucoup d'expertise dans cette vidéo parce que vraiment, on a défoncé le format, quoi. Donc du coup, on sait un peu. Moi, j'ai beaucoup joué un seul deck. Mais j'ai Ouais. beaucoup joué. Le Naya, qui est très très cool aussi, hein, qui est vraiment un upgrade de ce deck-là, sauf contre les Jovrasses. On vous le présentera, hein, vous inquiétez pas. Et Redan, c'est très bien contre les jeux dragons, qui vont jouer Nezheu parce que ça permet de les disrupter, de retarder leur Vraas à plus tard et de voir leur mana arriver en jeu engagé. Et Valkmira, c'est bien pour tous les jeux Mirror, Ouais. parce que ça va invalider du coup tous les 1, quoi, toutes les 1. Aspirante, hein, tranquillement. Ouais, tranquille. J'ai toujours coutume de buffer le moine, comme ça je lui laisse un peu pas un dilemme, mais. Il nous a pas laissé faire. Mais tu vois, c'est bien de buffer le moine parce que si tu buffes l'aspirante, c'est toujours l'aspirante qui l'a envie de tuer. Ouais, de tous les cas, c'est une bête qui veut gérer. Alors que là, si tu mets le marqueur à côté, C'est ça. il doit choisir entre sauver ses points de vie ou gérer le problème, quoi. Donc là, lui, il joue Dimir Control. Base neigeuse. Hein, la plupart des decks contrôle bicolore jouent la Ah, base contrôle neigeuse. On d'accord. va jouer l'Avre, pardon. Et on va jouer un Redan. Parce que si jamais il passe, ça va permettre de retarder ses anti-bêtes de masse. Qui sont Et il les. nous a vu. Shadows Verdict. Mais on est en place pour aller mettre les points. Bon, le kill de ces decks-là, c'est souvent le nouveau dragon de Kaldheim. Le dragon légendaire, l'ancêtre noir. Là, juste on active Havre et on y va. Hein. C'est clair. S'ils ont toutes les réponses, ça va être compliqué d'aller au bout. Mais globalement, on n'a pas un trop mauvais match-up. Au cas où, mais il va rien se passer. Non.
On garde des cartes en main, il sait pas que c'est des mauvaises cartes. Non, c'est des cartes qui sont pas adaptées à ce match-up là, mais si jamais il tue avec le dragon noir, on sera content d'avoir apparition. D'ailleurs, puits portable, ça gère rien chez lui, donc je pense que tu vas faire puits portable classe paladin pour mettre un marqueur sur le moine. Ouais, il faut réfléchir à ce que ça pourrait. Ah, Oh, c'est pas mal ça. on va faire mieux. Où tu fais Esri au clairon, classe paladin. Ouais. Parce que puits portable, je sais pas si ça peut pas gérer, genre. Est-ce qu'il peut avoir un truc sur le board, je sais pas moi, un artefact, une connerie comme ça? Il a plus de token Shard Typhon. Oh, je vois pas trop. Ouais, je vois pas non plus, mais. Mais après, on Je connaît pas serais Adepis, déçu donc. de le poser et. Et qu'au final, ça a aucune. Pas que ça puisse nous sauver d'un truc, quoi. C'est permanent long terme, ouais, donc on peut pas Genre, est-ce qu'il gérer peut un pas jouer des Madland. sorts de classe, le sort bleu, celui qui fait divination, est-ce que ça paraît bien? J'ai aucune idée. Ça joue quand même full anti-bête, La quoi. classe sorcier. Ouais, par exemple. C'est pas mal de réponses quand même du côté de l'adversaire. Ouais, mais il y a un peu que ça là, donc. Pour l'instant, ça nous va. En fait, le moment où il aura un truc problématique, si c'est pas assez problématique, ça veut dire qu'il aura pas eu de réponse. Et nous, du coup, on peut reprendre l'avantage à ce moment-là. C'est quand même pas facile quand les games se passent comme ça, Ouais. très honnêtement. Là, en plus, il peut aller learn sur un truc genre. Ouais, j'aurais été chercher les mascottes, mais peut-être qu'il veut d'abord trouver ses lands. Il veut trouver son sixième land pour quelque chose, visiblement. Ah, il peut jouer le Planeswalker, Professeur Onyx ou alors Modern Cult. Oh, parfait ça. Très très bien, ça va nous permettre de faire la petite synergie dont je vous parle. Ouais. Hop, et on va aller mettre le marqueur ici. Vraiment excellent, hein, je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent Ah oui, pas. c'est marqué où tu veux en plus, c'est pas que sur le mur. C'est vraiment une bonne carte quoi. J'ai juste fait défiler les drop 1 et je me suis dit bah ça m'a l'air d'être le meilleur et. Bah, les gens veulent toujours Carrément, pas ouais. quoi. Bah, y a écrit dessus, synergise. Clairement, exactement. Avec ce qu'on a envie de faire. Alors qu'est-ce qu'il peut avoir mis en. Ça peut Un être piocheur, un contre. un Spiel de Je Multiverse. crois pas qu'il y ait d'anti-bête noir qui se fortelle. Si, celui qui scry 2. Ah oui, effectivement. Ah bah Ah, celui-là, on peut donner la Twiski. coupe, ouais. On peut Swiss-ki. tuer avec le niveau 3 de la classe Paladin, hein. Ça arrive assez Ah bah régulièrement. déjà, il passe à 10, là. Ton prochain, si tu actives, tu buffes la créature. Tac, Il est il mort. passe à. Il S'il passe n'a à pas de 0. bloquant, s'il a rien, il est mort. Genre là, s'il passe son tour et qu'il fait Parce qu'il rien. prend 8 en double strike plus 2. Ok, il va chercher les réponses. Ah ouais, là, Ça pue! il a calculé, il dit, ouh, je prends 10. Ah, il en a une dessus. Ouais, après, dans tous les cas, classe paladin. Va marcher. Putain, pourquoi on pioche tout ce qui va. Il veut pas. Tout ce qui marche pas, quoi, contre lui, hein, c'est incroyable. Du coup là. Ah non, il n'y a pas de réponse en fait. J'allais dire vaut mieux que tu passes sur sort sur le clair pour éviter de se prendre anti-bête. Ouais. Mais non. Ah, mais si jamais on met sur le clair, on tue pas. Eh oui, mais genre on se dit si jamais il a gardé on top, tu vois, avec son scry. Je crois que dans notre situation là, on va chercher le létal, quoi. Oui, après derrière, il fallait quand même En qu'il fait, dans un gère. deck contrôle, même si tu tournes autour, que tu le laisses du temps, tu vas pas avoir l'inévitabilité, comme on dit. Ouais, là, ça me fait bizarre de. Pourtant, j'ai joué beaucoup en BO1, mais vu qu'on a fait du BO3 avant, Ouais, c'est ça me fait chelou. bizarre de que la game Ah s'arrête. bah ça va vite, hein. C'est la première fois de ma vie, j'ai fait un stream à plus de 22 games, je crois. Et ouais. Sur un stream de 2h30 en 2h30 en BO3, des fois je fais 2 games et demi, quoi. Ouais, c'est clair. 22 Genre, games, quand ça se gros. passe mal, t'es en mode oh, chier, alors que là. C'est beaucoup, C'est vrai hein. que le BO1, c'est quand même ultra pratique C'est pour très certains stream trucs. friendly, il faut être très honnête. Ouais. C'est bien ça. C'est bien, ça manque d'un petit land quand même, tu vois. On va le trouver. On va le trouver. D'ailleurs, tu vas peut-être classe Paladin tour 1 là, suivant quel land il pose. En fait, moi je classe pas Paladin T1 parce qu'on est sûr de pouvoir faire esprit au clairon T3. Le problème c'est que si on trouve pas le land. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là tu Ouais, fais ouais. esprit au clairon T2, esprit au Esprit au clairon clairon, classe classe Paladin, Paladin. c'est. Ah, ça dépendait du land, je me dis si jamais il nous montre un truc contrôle, on peut l'obliger à jouer en rituel, tu sais. Bon, là. Ah, Oh, bah, par contre, je parfait. t'avoue que là je vais pas bouder mon plaisir. Parfait! Ah bah quand tu joues un jeu avec 16 T1, c'est les stats, hein? D'ailleurs, si tu trouves pas de land, tu vas plutôt Aspirante qu'Aspiri. Esprit au clairon, je pense. Trouver Je juste crois un qu'on petit va land. juste esprit au clairon ici. Hein. Là, oui. Là, Quoique, oui. on peut aller lui proposer 3 points aussi. Hein. Moi, j'attaquerai. Genre, s'il bloque avec son floraison, on s'en fout. C'est un C'est drop vrai. 1 contre un drop Non, mais 2. t'as Lui, raison. ça le rampe. T'as raison. Parce que c'est Shao Desika, hein, son drop 3, son tour 3 préférentiel. Là, on esprit et on va commencer à faire la dinguerie tour prochain. Hein. Commencer à prendre le board en vol et à le buffer avec classe Paladin, c'est notre condition de victoire contre Mono Vert. Après, des fois, ils ont des sorties qui sont tellement explosives. Il joue, genre pour un mana vert, je mets 3 points de dégâts à ce qu'il vole. Non, non, mais ça joue Indestructible Fight. Et c'est dur, quoi. Ça, c'est méchant. Là, il serait pas indestructible.
Non. Donc on tuerait son Floridron. En vrai, Alors. s'il tue Esprit au Clairon, là, c'est meilleur play Ah, pour c'est nous. clair. Là, ce qu'on veut pas voir, c'est Land sur Odessica. Ouais. Et encore que on a Oh, ça, c'est super gentil, c'est moelleux, Moelous. c'est tout comme on veut, quoi. Ah, il n'a pas des mana fonctionnelles. Il faut d'abord que je lande pour pas Havre. faire de la merde. Esprit. Passe par la dingue. Et là, c'est là où les mecs concèdent quasiment. C'est fort, hein. Pas d'attaque. Pour prochain, tu peux juste activer ta classe Paladin et commencer à beatdown. Si j'ai un land, je vais faire Esprit au Clairon, Aspirante Luminarque parce qu'il Ouais. brassera jamais le board. Et on lui fait là, on lui fait le sombrero malgache, comme on dit. Oh, je tente le sombrero malgache. Donc Ah, c'est de la bono. vraiment cette carte-là qui n'est pas jouée d'ailleurs en standard classique. Hein. C'est vraiment, elle est très très bien dans le format standard Bah, elle était 2022. jouée en Elle était jouée en Naya Naya, ouais, c'est ça. avant D&D. D'ailleurs, Bah, elle est LSV, toujours jouée en Wisecott Naya d'ailleurs. Vargas, a joué Naya et a fait 0-3 ou 0-4, je crois, au League Weekend. Naya aggro, ça reste un bon jeu. Hein. Je pense qu'il a pas eu forcément la meilleure portion. Ou... C'est pas le seul à avoir joué Naya aggro. Là, quand même, Esprit classe Paladin, c'est encore drôle. Hein. C'est pas mal, hein? Ah, ça fait 3 tokens hein, chez moi. Chez toi, ça fait 3 tokens? Ouais. Combien ça en fait chez moi, du coup? Bah, vu que t'es chez moi, ça va te faire 3 tokens aussi. Oh, il fait joli. Ah, c'est la carte qui bat mono vert, on en Et trouve on a 3. Il doit 3. être en train de chier derrière un rideau, là, je pense. Ah oui. Ah, putain. Il a attrapé le premier Ah, rideau qui il est parti, passait. il est parti. Il est parti, le deck est trop fort, excusez-nous, quoi. Putain. En plus, ce tour après, on mettait Homme, passe au diamant. Et ici? Pas mal, hein? Pas mal, hein? Peut-être Peut-être mythique? Ah, 6 victoires, je crois pas, mais on va ah, passer c'est mythique 6. ici. C'est 6-6. 6 grands, ouais. C'est C'est un peu vénère, hein. beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Ouais. On sait pas, hein, si elles sont toutes à 2 minutes. Si on Franchement, fait si t'enchaînes les qu'enchaîner les mains comme ça victoires, contre Monovert, ça va vite. Hein. Ah, ça va vite, hein, ça va très vite. pour Dictodorf, l'instant, on a Fourmile. battu les deux pôles. Mono vert et contrôle. Mono blanc, peut-être le meilleur deck. Moi, en tout cas, je milite sur les réseaux. Moi, je keep ça. Hein. Ah, je keep Je aussi. keep ça. De toute façon, ce deck-là, généralement, tu mulliganes difficilement. T'as tellement de bas de curve, faudrait ouvrir genre Hop, tu que mulliganes des. pas difficilement, genre tu mulliganes rarement. Ouais. Parce que sinon, c'est genre quand tu mulliganes, ah Oh merde, putain, c'est de la merde. quel enfer quoi. Tu ne peux faire que des mauvaises mains avec ce deck, il faut le savoir. Dis-moi. Eh, je sais pas. Tu voudrais faire moins de puits portables pour ton board Bah, d'après? ça dépend ce qui. En fait, si je joue Sentinelle de Jaspera, c'est la gigabaise, mais non, Ouais, j'avoue que c'est t'as quand même très envie de faire aspirante. un petit peu ambitieux quand même. Genre, spéculer sur ce qu'on ne connaît pas, on va Ouais. pas le faire. S'il fait Sentinelle. Ok, donc ça doit être un deck blanc contrôle. On a besoin de Havre sans visage pour gagner, ou alors de l'absence de Domska. L'un ou l'autre. Les deux, c'est encore mieux. Ah bah les deux, c'est. Bah les deux, en fait, C'est parti, gagner. Fiesta. Ouais. On a l'apparition pour le book, c'est probablement le deck book combo. Pas du tout. Ok. Ça apprend et ça fait plus en plus un lifelink pour deux. Ok. Bah je vais le puits portable. Oui, comme ça, tu vas mettre un marqueur et un marqueur et un marqueur et un marqueur. Claire du sort Doud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 
Enfin, après, on la perd tout seul parce qu'on fait 3 tours de land aussi, quoi. Ouais, on trouve 6 landes, franchement. Bah, mes majordomes passent. Hein. Ouais, bah elle est perdue cette game. Elle est perdue parce que là maintenant il met 4 points, il gère n'importe quelle bête, il va récupérer un 3-3, il bloque le Ça dépend board. de son tour précédent. S'il fait pas grand chose, on peut trouver classe paladin. On fait classe paladin buff. On n'est pas si mal. Hein. Je les connais ces match-up. Ça pue un peu, il a la main pleine. Je pense que c'est perdu. Je les laisse à 1 PV des fois ces decks-là, ça me rend fou. Bah ouais. Là, Il fait sa petite sortie tranquillou. Nous, on pioche beaucoup de land. On a joué avec notre main de départ quasi. Ah oui, non, c'est clair. Bah on a joué avec notre main de départ à part le majordome. On avait 3 landes et ces 4 cartes là. Ouais. Non, si, le clair, tu l'as pioché, je crois. Ouais, j'ai pioché le clair, ouais. On a pioché 2 cartes actives, qui sont des drop 1, ça va. Ouais, c'est pas les Ouais, en cartes les 6 plus. tours. On peut Pardon. trouver nos bons drop 3, pardon. Ouais, je préfère qu'il ait. Ouais. Attends, remarque, attends. Si tu fais phase d'attaque, tu passes à 1. Tu crées un token. Je vais essayer. Je sais pas ce qu'il a, mais on va voir. Ouais, du coup, il a un bloqueur. Non. Je suis obligé de sacrifier ça. Mais non, c'est la force la plus élevée. Ah non, c'est la valeur de mana. Ah ouais, ça va leur mana. C'est Pardon. perdu. Ouais, Ah, tu pourrais sacrifier le majordome. c'est tout le temps les mêmes patterns contre eux. Genre, tu les Ouais. mets bas et d'un coup, il y a ça qui arrive, t'as pas de réponse. Poubellus. Et que des landes, malheureusement. Ah, Bon, quasi que on des avait landes. 4 tours de land entrecoupés d'un clair du d'un majordome. Yep. Voilà, il nous fallait des trucs solides. Mais C'était un si on peu met ce le marqueur que. sur le moine, on Oui, c'est s'en sort mieux. mieux, On s'en mais sort mieux. je sais pas si on perd pas quand même. Je pense qu'on gagne quand même pas. C'est là où je milite un peu pour le BO3, c'est que ces games-là où t'as la sensation d'avoir perdu parce que t'as pas joué à Magic, bah Ouais. normalement t'as 2 games pour les remonter, quoi. C'est ça. C'est une très bonne main. C'est étonnamment une main avec un drop 1, drop 2 qu'on va pas jouer avant le tour 3. Ben en fait, je vais quand même la jouer parce qu'on a quand même une curve derrière avec T3, T4. Ok, parce que t'as ça à côté. Ouais, mais sinon, c'est vrai que tu peux attendre tour 3, mais si on fait rien pendant 2 tours, ça sent pas bon, quoi, tu Je me vois. demandais si on valorisait à fond Esprit, mais. Non, pas forcément tout le temps, on va Ouais, enlever un Redan, ça mana. dégage. Ça joue elf, probablement. Ou un meilleur tour 2 si tu veux curver. Ouais, je crois. Hein. De toute façon, c'est pas mono vert, donc rien ne nous dit que Esprit au Clairon soit la clé de la bataille, quoi. Ça fait quoi? C'est que quand, ouais, Ouais, quand quand il ça arrive au arrive. Hein. jeu. Il y a des decks Golgari Elf qui marchent plutôt pas mal, J'ai oui qui dire, mais jouent j'ai pas ça. vu de liste. C'est vraiment pas mauvais. Ok, Charognard. lui il est dans un autre game, quoi. Unoland, c'est cool. Il joue pas des jeux, alors qu'il a genre l'air de jouer mono noir. Ouais, je sais pas trop ce qu'il fait, je connais pas, donc. Bon, tu peux phase d'attaque, mettre un marqueur sur clair, pardon, Ouais. attaquer. On va prendre 3 certainement. Raidan. Oula. Tu vas pouvoir faire ange pour Ouais, prochain. puis on va enchaîner les anges. Ça marche pas mal aussi, hein. Enchaîner les anges contre les jeux un peu pareil qui jouent des créatures et qui se bloquent un peu. Je vais enlever Esprit au Clairon, on n'y est plus du tout. Hein. Ouais, il fera plus grand chose là. Pourquoi 2 cartes? Ah, parce qu'ils sont Ah! partis de deux. Moi je Bah. joue contre la plaine, ils vont enlever Esprit et plein, l'esprit. ils vont enlever l'esprit. Ouais. Alors qu'il fallait enlever la plaine? Hé hé hé! Bon. Non, please, quoi. Bon là, tu vois, là c'est ce que je. Enfin. C'est des sorties de BO1 où. Mec, y a tout quoi. Il y a des statues. Ça va être difficile Bon, de la gagner c'est bien celle-ci, pioché mais ça. c'est un bon top deck. Après, je sais pas ce qu'il a en main, mais on est quand même pas mal. Hein. Je vais buffer Marqueur plutôt sur Redan. Redan, ouais. En plus ça vigile Redan, donc c'est plutôt pas mal. Il peut double bloc Ouais, mais je lui enlève triple deux. bloc, mais tu l'enlèves deux, ouais, Ça donc me vas-y. va, hein. Une contre deux bêtes. Il va le faire d'ailleurs. C'est pas très bon, non. Il doit avoir des trucs qui raisent. Genre Agadim's Awakening, je pense. Bah j'ai plus de main, je m'en fous. Oui. Oh, franchement, Non, je mais genre, pour ça qu'il bloque, je pense. gélatineux, ok. Sur Raiden. Ok, il joue mono. Mais par contre, il n'y a aucun argument pour pas jouer Neigeux avec ce qu'il fait là. Je vais attaquer avec ça. Et buffer ça et proposer le trade, je pense. Parce qu'on récupère Raiden et lui récupère un token, On ouais. récupère. Ouais, on récupère Redan en Bah plus. ouais. Je crois qu'on y va. Vas-y. Marqueur sur apparition. Phase d'attaque avec les deux. On lui propose une sauce quand même. Hein. Allez, t'en meurs d'envie là. T'en crèves d'envie Il même. peut dans tous les cas ne pas nous rendre Redan. Hein.
Non, il faut qu'il paye la Ah oui, valeur. non, faut qu'il paye la valeur. Ok. Bah ça va, cet échange, il nous va tout à fait. Ouais, je pense qu'il aurait dû prendre les dégâts plutôt. Ouais, je suis étonné. Je comprends pas des masses là. Peut-être que. On... Enfin, après, je connais pas sa main, hein. Il a peut-être mieux à faire, mais. Si on n'a pas aspirante, je comprends, mais on perd le Ok, moins de on est son tour. devant, on va continuer à bidonner, quoi. Et j'attaque surtout pas, on peut t'attaquer au haf sans visage. Il joue pas à l'envers, l'oppo, là? J'ai un peu l'impression là. Je sais pas ce qu'il en a. Moi, je m'emmerde pas, hein. Oh oui. Ah, si t'as pas anti-bête, il a joué à l'envers. Ça ressemble un peu à des plays de moderne, je trouve, ce qu'il fait, ou de legacy, c'est-à-dire attaquer peu importe, et une fois qu'il est low en PV, il voit ce qu'il peut faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais même en moderne ou en leg, quand t'as pas le board, t'as pas le board, hein. Ouais, mais des fois, du coup, quand t'as pas le board et que tu peux Ouais, mais ils ont attaquer, des spells tant qu'à assez faire, impactants pour justement ce pour qu'on venir, appelle ouais. tourner le coin, tu vois. Ouais. Être capable justement de. Tu vas quand même attaquer pour valoriser rentrer tes PV, et les spells que tu vas piocher, c'est des brainstorms qui vont t'apporter des Ouais. foudres. Tu vas pouvoir justement revenir dans la game. Là, tu peux faire Esprit de descente de Kabira pour tuer son 3-3, faire une 1-1 et vraiment avoir un banc de chiant pour lui. Et Donc c'était ça a l'objet peut-être plus général. de valeur dans ces formats éternels-là, parce que justement la puissance de leur carte invalide la vitesse de leur moto. Non, non, non. Je N'importe quoi. cible. Je suis con, je croyais que c'était un truc de fight. Alors J'ai ça, eu je vais trop buter mon ange. Ben fais pas ça, enfin on va perdre la partie J'ai du eu coup. trop peur. Je vais diversifier mes menaces, ça t'embête pas. Oui, je mettrais plutôt sur le token Ah du non, coup. il a un 3-2 et c'est un 3-3. Hein. Oh alors, mais sur Redan encore, on s'en fout. Ouais. Oh, c'est vrai. On t'attaque qu'avec Redan. Il fait quoi déjà la créature noire? Je m'en rappelle 3-3 plus. menaces, quoi. Et ah oui, elle t'exile à chaque fois qu'elle attaque, ouais. Une carte ciblée ainsi de tir. Bon, bah, lui, il n'avait pas de brainstorm dans son deck, quoi. Rondement rossé. Petite dernière là? Oh, petite Petite game game de de trop, hein. trop? Jument. Bon, ça va vite, hein, en BO1. Hein. Ça va très, très vite, Très hein. cool. Mais il est bon, ce deck blanc. Tu sens qu'il est bon parce qu'il arrive à performer un peu sur tous les plans. Il fait des sorties patates explosives. Il est capable de grinder. On l'a vu battre Dimir Oh, une Control. patate explosive. Bah, il fait des sorties descente de coude sur la nuque, T'imagines hein. dans une raclette, tu prends une patate. On l'a joué. Attention, il y a une patate explosive. T'as du Il fromage partout. y en a une, tu la coupes, t'es mort. C'est qui, pas. Oh. Mais ce que tu vas faire là? On a joué contre Dictator fort hier, d'ailleurs. Oh. Est-ce que tu fais moins de tour 1? Ouais. Oui. Oui, bah là, il y en a Oh plein, ben ouais, donc bon, bon, bon. bah, là, oh, laissez-moi te Et dire tu que. fais esprit tour 2 et moine. Mais non, on va faire beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu me racontes, dis donc? Je fais moine et clair, là? C'est clair. Et derrière, on fera esprit moine. Incroyable. T'es du père? Non, mais attends, il vaut mieux faire moine-moine et le tour d'après esprit clair. Oui, c'est mieux encore. Mais qui peut nous Donc stopper? la sortie, elle est dégueulasse là. Elle est dégueulasse la sortie. Pour deux, t'as ça. Est-ce que t'as envie dégueuler, quoi? Mec, je dégueule. Non! Ah C'est ben, je suis insane. rien à foutre de ce que tu On fais, s'en gros. fout. Oui, j'ai cru que t'avais pioché. Avec l'apparition, j'allais dire, ouh là là, lui. Est-ce que j'irai pas gérer ça et je retarderai pas d'un tour Ça c'est vite chiant. Hein. Non, toi tu veux faire la note, Ah, toi. moi, j'aimerais bien faire esprit au clairon là. Tu veux noter? Ah, vas-y. Il y a que chez C'est Flunch qu'on pas peut grave, fluncher. exact. Oh, les triggers. Tu peux mettre sur le 2-2 pour attaquer avec tout et mettre 6 points. Là. Tour 3, nous avons 6 créatures, dont 3 qui sont 3-3. On a gagné le tour d'après. Kabira Tech Down, bourre, GG. Ah, ça va pas suffire. Take down. Bon, il gagne des PV, donc si, ça va suffire. Est-ce qu'il faut Bah. tuer l'ange? Faut tuer ça. Hein. Non? Enfin, le token ou Est-ce l'autre, qu'à la fin du tour, les anges que vous contrôlez? parce que ça tue pas grand chose là. Hein, si on le Bah, sinon, laisse, je et tue ça fait gagner ça des et je PV. bourre avec tout, de toute façon. Je Parce crois que que. c'est mieux. Hein. Ouais. Fais classe paladin et Faire bien Kabira take même. down. Ouais, enfin, l'un ou l'autre quoi. Ouais. Après, il regagne des pèves. Hein. Attention, Non, on attention, s'en là, fout, je on suis s'en du fout. père, là. Tu la 4-4, Ah, mais c'est non, le mais de toute top. façon, il est obligé de bloquer. On est bête. Oui. Eh ouais. Bah non. Ah non, moi, je suis bête. Bah Toi, oui. tu savais. Oui, Je vois. non, c'est vrai. Non, Je je suis t'ai plus mis dans le là. même panier alors que toi, t'as le bon play. Façon, t'es con. Bah non. Non, Ah bah on a non. gagné, en fait. Ah, je ne réfléchis plus, on est d'accord. Il est obligé de bloquer. Après, Bah, il il est peut obligé de bloquer bloquer Scorpion. là. Mais non. Bah, il est mort. Non, il prend Ah, 12. il est à deux. Enfin, après,
Il est pas frais du tout, Bon, quoi. il est quand même pas très frais. Et sa Valkyrie juste qui peut tuer une bête, il faut qu'elle s'engage. Ouais. Donc Ça va aller, je pense. Derrière, on va buffer ça, on va s'amuser, quoi. va falloir qu'il gagne beaucoup de points de vie là. Mais il est bon quand même, hein, cela dit, hein. Il est quand même pas bien là. Ça Hein. va pas suffire, je crois. From my point of view, comme on dit. Il doit bloquer les 2 4-4, il prend 6, il est mort. Eh, c'est ce qui me semblait. Eh, c'est ce qui me semblait. Superbe game de trop. Moi, je dis, on reste là. J'espère voir plein du clair du sort code dans sur ce ladder, hein, après ça. Mettez-moi l'éclair du sort code en commentaire directement en disant que c'est le meilleur dropin de la Et galaxie. en plus, c'est un clair, c'est pour vous dire comme ça m'arrache le cucu de Quand dire j'ai ça, vu quoi. l'ADL juste avant de faire la vidéo, Cher Devil, et je lui ai montré le clair. Ça, c'est un clair. Et Attention. c'est de son idée, C'est fou, hein. de son propre C'est chef. fou. Mais j'avais pas vu qu'il était clair, j'ai vu d'abord le texte. Pourtant, il s'appelle Clair du Sort Mais Code. j'ai même C'est pas lu son nom. sans mauvais jeu de mots, c'est assez clair, tu vois. C'est très clair. Fin de la vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, faites-le s'il vous plaît. C'est gratuit, ça fait plaisir. Twitter, Facebook, Discord, dans la description. Twitter, allez, c'est gratuit. Il y a plein de Ça concours. fait plaisir. Il y en a au moins 2 par mois des concours qui partent sur Twitter. Vous pouvez gagner des jeux grâce à Instant Gaming, des produits grâce à Ultimate Guard. Enfin, vous pouvez gagner plein de trucs. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous follow là-bas sur nos autres réseaux, sur une chaîne Twitch notamment, c'est gratuit, Valpel Magic Arena FR dans la description, vous cliquez, vous êtes sur une chaîne Twitch, vous voyez nos lives, vous prenez du plaisir avec nous, Max de et plaisir. tout le monde aime prendre du plaisir en jouant à Magic, donc voilà, n'hésitez pas, et surtout n'oubliez pas, C'était c'était de de la la belle belle magie. magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne, si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.